si parareremos, amayanderemos. Mon âme soupire après toi. 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 Mon âme. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Racontez l'histoire d'un homme qui a rencontré Jésus. On l'appelle Paul. Paul combattait les enfants de Dieu. Paul combattait les disciples. Paul ne combattait pas que les enfants de Dieu, mais il combattait aussi la parole. Alors un jour sur la route de Damas, il a rencontré Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il a été totalement changé, totalement transformé. Je veux vous parler d'un autre homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée était un homme qui attendait la guérison. Il attendait la guérison. Et un jour, il entendit Jésus passer par là. De toutes ses forces, de tout son cœur, il a crié « Fils de David ! Fils de David ! Aie pitié de moi ! Aie pitié de moi ! » De toutes ses forces, il a crié. Et Jésus l'entendit. Alors Jésus lui demanda « Bartimée, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ?» Et Bartimée lui dit, « Seigneur, tu sais. » Effectivement, Jésus savait ce que Bartimée attendait. Mais Jésus voulait que Bartimée le confesse de sa bouche. Que Bartimée dise à Jésus ce qu'il voulait. Là où tu te trouves, dis à Jésus ce que tu veux. Dis-lui ce que tu attends de lui. Dis-lui ce que tu désires. Dis-lui ce que tu veux. Là où tu te trouves, devant, derrière ton écran. Dis-lui, Jésus, je veux la libération. Je veux la guérison. Je veux parler en langue. Je veux te voir. Je veux voir le Saint-Esprit. Sature-moi de toi. Inonde-moi de toi. Parle-lui. Je veux vous parler d'une femme. Je veux vous parler d'une autre femme. Elle s'appelait Esther. Esther s'est trouvée face à un problème. Son peuple était en train d'être tué. Et son oncle Mardoché est venu la voir pour lui dire, ne sais-tu pas que nous sommes en train d'être exterminés? Alors Esther a pris un temps de jeûne et prière. Elle a pris 3 jours. Et ensuite, elle est allée devant le roi. Elle a parlé au roi. Et le Seigneur a changé le cœur du roi. Et on a eu la victoire. Et le peuple d'Israël a eu la victoire. Je veux vous parler d'une autre femme qui a rencontré Jésus. La femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, elle a eu une perte de sang. Pendant 12 ans. Sans arrêt, sans stop, non-stop. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, si seulement
je pouvais toucher le pan de sa robe. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Et lorsque Jésus est passé devant elle, elle a touché Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a saisi? Et les disciples ont dit, maître, il y a la foule. Tout le monde t'a touché. Jésus dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce que Jésus a senti qu'il est sorti de lui. Quelque chose l'avait quitté. Une puissance l'avait quitté pour aller guérir cette femme. Voilà pourquoi nous disons, oh, je veux être loin, loin, loin par toi. Je veux être loin, loin. Comme Bartimée crie, crie édifice de la ville. Comme la femme à la perte de sang, touche Jésus, afin qu'il dise, qui m'a touché? Qui m'a touché? Je veux être, je veux être, je veux être, je veux être. Je veux être moi, 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 je veux être moi, moi, moi. Et je vais vous raconter l'histoire de celle-ci. C'est la plus belle de toutes les histoires. C'est un homme appelé Jésus. Il était roi, roi de l'univers. Son père est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Son père est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. T'es le prince roi. Et à cause de nos péchés, Dieu l'a fait descendre sur terre. Et Dieu lui a dit, tu vas devoir donner ta vie afin de sauver l'humanité. Quelle belle histoire! Jésus est mort pour toi et moi. Voilà pourquoi ce matin, je vous ai raconté l'histoire de plusieurs hommes et femmes qui ont rencontré Jésus. Mais le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils ont crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus. Anne a dit, donne-moi un fils. Bartimée a crié, fils de David. La femme à la perte de sang a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Esther a crié après toi. Daniel dans la fosse au lion a crié après toi. Moïse, Moïse, Moïse dans le désert a crié après toi. Josué a crié après toi et a fait arrêter le soleil. Oh, 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 oh. Je crie à toi.
Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Je suis Fabrice et on présentera ensemble les défilés du Kids. Je vais répondre à vos questions et ensemble, au travers des réseaux sociaux, on apprendra à se connaître encore plus. Moi, c'est Stéphanie et toute cette semaine, je te fais découvrir des tutos recettes, des tutos bricolage. Alors n'oublie surtout pas ta toque, tes ustensiles et ton matériel de bricolage. Hello les Kids, si vous aimez les jeux de mots, les jeux d'observation ou même les devinettes, avec moi, vous allez être challengé. Hey! 3, 2, 1, c'est l'heure de Bonjour les J-Kids! Bonjour les J-Kids, bonjour les amis. Tous les animateurs sont là aujourd'hui. Bonjour les J-Kids! On va tous lire ensemble ce passage dans Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ouais. Amen. Tout à fait. Amen pour la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle ici de Jésus, le Fils de Dieu, qui était là dès la création du monde. La Bible nous dit aussi que Jésus est la lumière qui a été donnée aux hommes. Cette lumière qui vient pour chasser les ténèbres, parce que l'obscurité ne résiste pas à la lumière. Et aujourd'hui, cette lumière vient pour quiconque aime et reçoit le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Et les amis, on lance l'émission ? On y va. 3, 2, 1, c'est l'heure de Bonjour les J-Kids. Alors aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour une dernière émission. C'est la dernière émission de notre semaine de méga impact conférence sur le thème et brille. Alors, pour la circonstance, nous avons décidé de continuer à manifester cet éclat au travers du thème d'aujourd'hui, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voilà, on trouve ce passage dans Ésaïe 60 au verset 1. Allez, on s'installe pour notre première histoire ? On y va. C'est par ici. Coucou les amis, bienvenue. C'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une belle histoire parmi nos merveilleuses histoires. C'est l'histoire de Zéphyr, le poney orgueilleux. C'est par une belle journée ensoleillée que se déroule la finale du championnat junior d'équitation mondiale. Au programme de ce championnat, il y a des sauts d'obstacles à effectuer dans un temps limité. Les cavaliers de divers horizons s'affrontent sur un parcours de 7 obstacles. Pour les départager, ils finissent par une épreuve de barrage. Sur la piste, il y a de nombreux cavaliers et de nombreux poneys venant de France, des Caraïbes, du Canada, de la Belgique, du Congo et du monde entier. Tous concourent dans le but de remporter la médaille d'or. Parmi eux se trouve Zéphyr, un beau poney de couleur blanche. Il se pavane tel un paon à chaque manche gagnée. Il aime être sous les feux des projecteurs et apprécie quand les spectateurs lui jettent des fleurs. Mais avant d'aborder la finale, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé au cours des 2 jours précédents lors des épreuves de la manche 1 et de la manche 2. En ce premier jour de manche 1, Maya chuchote à l'oreille de Zéphyr. « Oh mon doux, je crois en toi. Regarde au-delà des obstacles et tu y arriveras. » Zéphyr se dit intérieurement, « Que crois-tu ? Je suis Zéphyr, le magnifique. Je n'ai pas besoin de tes encouragements. » Elle lui tapote légèrement l'encolure et lui dit, « Hop !
En avant, mon doux. C'est alors que Zéphyr s'élance en franchissant un obstacle de mur et une rivière. Puis, il enchaîne avec un saut de puce, saute une pointe et ainsi que deux banquettes d'affilée. À la fin du parcours, il finit par un obstacle de volée et s'incline face au public suite à ce magnifique sans faute. Le public est en émoi au vu de ce merveilleux spectacle. À l'issue de cette manche, alors que Zéphyr se vante d'avoir réussi seul, Maya le félicite. « Je suis fière de toi, tu as donné le meilleur de toi-même. » Cependant, il n'y avait que les journalistes, les photographes et les applaudissements du public qui intéressaient Zéphyr. Lors de cette deuxième journée de compétition, la manche 2, Maya encourage de nouveau son poney afin qu'il saute au bon moment. Mais Zéphyr n'y prête pas attention. « Allez, mon Zéphyr, tu peux le faire !» lui dit-elle. « Fiou !» soupire Zéphyr. « C'est incroyable ce qu'elle persiste à m'encourager, alors qu'elle sait parfaitement que je suis Zéphyr, le magnifique » rajouta-t-il. Sur ces mots, Zéphyr hennit. « À moi la victoire !» Il monte sur la banquette, saute dans le vide, effectue deux foulées et franchit la rivière, tout en arborant un magnifique sourire au public, les journalistes et les membres du jury. Il saute enfin le dernier obstacle et termine ainsi le parcours. C'est ainsi qu'à l'issue de la manche 2, Maya et Zéphyr se hissent à la première place du classement provisoire. Tout le monde est en admiration face au talent de cet incroyable duo. Maya est comblée puisque Zéphyr a parfaitement réussi le parcours en accomplissant un sans faute. Mais Zéphyr se réjouit en se vantant d'avoir réalisé cet exploit seul. En consultant le tableau d'affichage, elle s'écrie « À nous la finale ! Nous avons fini premier !» Il quitte la piste sous les ovations du public pour le plus grand plaisir de Zéphyr. Le lendemain, c'est enfin le jour de la finale. Mais hélas, Zéphyr change de cavalier, car Maya, sa cavalière habituelle, a une panne de réveil. En voyant cela, il dit intérieurement « Oh, il y a du changement, mais ce n'est pas grave. » De toute façon, grâce à moi, la victoire est assurée. Il s'imaginait déjà debout sur la première marche du podium, recevant la médaille d'or en chantant fièrement l'hymne national de son pays, tout en ayant les honneurs, les acclamations du jury et des spectateurs. À sa grande surprise, rien ne se passe comme il avait imaginé. Pour cette ultime manche de finale, Arthur, son nouveau cavalier, n'a pas pu s'entraîner avec lui. Quand Arthur veut aller à droite, Zéphyr va à gauche. Lorsqu'il veut sauter un obstacle, soit il s'arrête brusquement devant l'obstacle ou il fait tomber les barres. Malgré la bienveillance et les instructions d'Arthur, cette intrépide de Zéphyr n'en fait qu'à sa tête. Durant les premières secondes, la scène est plutôt amusante. Mais à la longue, ce n'était plus drôle du tout. Puisqu'à chaque faute commise, ils avaient des points de pénalité. Dans les gradins, les spectateurs se disent les uns aux autres. Qu'arrive-t-il à ce poney? Lors des manches 1 et 2, n'avait-il pas fini premier avec sa cavalière? C'est la première fois que j'assiste à une telle scène. « Ce n'est pas possible! Faites-le sortir !» Jusqu'à la fin de la compétition, Zéphyr ne se laissa pas conduire par Arthur, son nouveau cavalier. Les membres de jury et les spectateurs furent surpris et indignés face à l'attitude de Zéphyr. Mais ce que Zéphyr ne savait pas, c'est que ce n'était pas par ses propres capacités qu'il avait gagné la manche 1 et la manche 2. Maintenant qu'il avait perdu la finale, il prit conscience que ses victoires étaient dues à sa cavalière.
Elle le guidait à chaque obstacle. Elle le connaissait mieux que quiconque. Et surtout, entre eux, il y avait une symbiose parfaite. Lorsqu'il comprit qu'il avait perdu et qu'il finissait dernier du classement, ce cher Zéphyr hennit tellement fort que les spectateurs, le jury et son cavalier prirent peur. Il devint incontrôlable et retourna son box. Les poneys se trouvant à proximité furent ébahis face au comportement de Zéphyr. Zaya, l'un des poneys ayant assisté à la scène, lui dit « Je pense que cette défaite te remettra les idées en place. Sache que tu dois savoir faire preuve d'humilité. Cesse ce vacarme et calme-toi. » Sur ces mots, Zéphyr se calma, se désaltéra et dégusta le foin posé devant lui. En levant les yeux, il vit Maya, sa cavalière qui se tenait devant lui. Elle lui avait ramené des carottes et de l'avoine pour qu'il puisse reprendre des forces. En se blottissant dans ses bras, il comprit qu'il changerait à compter de ce jour, suite à l'épreuve qu'il avait subie. Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Eh oui, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de savoir d'où nous viennent nos capacités. C'est Dieu qui nous guide et nous fait remporter des victoires. Ne l'oublie jamais et remercie-le sans cesse. À très bientôt pour une autre histoire, un autre conte ou une comptine. Eh bien, je pense que Zéphyr a appris une bonne leçon aujourd'hui. Ses victoires lui sont montées à la tête, comme on dit. Oui, il s'est pris pour le plus fort. Il a cru qu'il était le meilleur et même qu'il était invincible. Car à force d'entendre tous ses applaudissements, il a oublié que tout ce qu'il faisait, il le faisait avec sa cavalière. C'est ça. Il a oublié qu'il n'était qu'un cheval de course, finalement. Ouais. Par contre, je pense que ça lui a pris une bonne leçon de finir dernier avec cette course. Il ne s'était jamais entraîné avec son cavalier, ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient jamais travaillé ensemble, donc forcément la catastrophe. Bah oui, bah en tout cas, moi je pense que la prochaine fois, il se fera un tout petit peu plus petit et il apprendra avec humilité à reconnaître ses qualités, mais aussi celles des autres. Celles des autres, t'as raison. On a une autre histoire pour vous les G-Kids, soyez attentifs. La Luciole. C'est au bord d'un lac niché au pied de la montagne que vit une famille de Lucioles. Dans cette famille, chacun a un incroyable talent. Maman est pâtissière, Léa la Benjamin est chanteuse, papa est écrivain, Lucas l'aîné est guitariste. Ils ont tous un point commun, c'est celui d'avoir de la lumière, à l'exception de Lucile la cadette. Tout le monde se moquait d'elle car elle n'avait ni talent ni lumière. Oh, regardez Lucile, une luciole sans lumière, c'est impensable. Tous les soirs à la tombée de la nuit, toute la famille se rendait à la valse des couleurs qui réunissait toutes les lucioles des alentours. Il y avait également des orchestres et des chorales venus des quatre extrémités de la terre. Lucile était triste de ne pas pouvoir assister aux festivités, car elle n'avait pas de lumière. Un soir, au lieu de rester toute seule à la maison, elle mit sa plus belle robe et elle décida de se rendre à la valse des couleurs. À son arrivée, l'une des chorales chantait « C'est l'heure de briller, c'est l'heure de briller ». Lucile se laissa transporter par la musique, elle commença à danser, mais elle n'avait toujours pas de lumière et tout le monde se moquait d'elle. Mais que fait Lucile? Elle n'a ni talent ni lumière. Elle n'a pas le droit d'être là. Mais cette fois, elle ne se laissa pas atteindre par ses ricanements. Elle continua à danser et à tournoyer dans tous les sens. Tout en dansant, elle se mit à chantonner. C'est l'heure de briller, yeah, yeah. Alors, toutes les lucioles présentes eurent les regards fixés sur elle. Et c'est à cet instant qu'un changement s'opéra en elle. Tout le monde fut ébahi. Certaines dirent « Oh, Lucile danse, mais c'est hallucinant !» Et d'autres rajoutèrent « Waouh, elle a enfin de la lumière !» Lucile, la luciole, était passée de l'ombre
à la lumière. Elle était maintenant méconnaissable, car elle pouvait danser tout en brillant de mille feux. Ce jour-là, c'est sûr, tout le monde put constater, Lucie y compris, qu'elle avait un talent caché qui devait absolument être dévoilé au monde. Et toi, as-tu un talent qui ne s'est pas encore révélé? Désires-tu le voir se manifester? Dieu te demande de briller sur la terre grâce à sa lumière. C'est ainsi que tu réussiras ta vie. Ésaïe au chapitre 60, verset 1 nous dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Vous voyez, Lucie, elle me fait penser à tous ces enfants qui pensent que les autres font les choses mieux qu'eux, qu'ils connaissent les choses plus qu'eux. Mais en fait, Dieu, il nous a créés tous différents, uniques et avec une immense valeur. Donc, Dieu, il nous aime et c'est ça qui est le plus important pour lui. Wow. En fait, on a tous des choses que Dieu nous a données. Un talent, comme on dit. Savoir danser, chanter, bien savoir ranger les choses, fabriquer... reconnaître facilement, par exemple, des odeurs aussi, c'est un don, c'est un talent que Dieu nous donne, nous savoir faire des activités manuelles. Tout ça nous vient de Dieu. Dieu nous a donné des talents dès la naissance. Et là, maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est travailler de manière à rendre vraiment ce talent remarquable. Ah, c'est ça, briller ? Eh oui, en quelque sorte, c'est briller, mais avec la lumière de Dieu. Hein. Attention, en n'oubliant jamais de dire merci à Dieu pour le talent qu'il nous a donné. Et merci de nous donner ce courage de pouvoir travailler jusqu'à ce que ce talent, en fait, explose. Yes. Wow. Wow. Donc, tu vois, G-Kids, comme Lucie, quand tu vas commencer à briller, tout le monde se demandera, mais quelle est cette lumière qui brille en lui, en elle? Alors, tu lui diras que cette lumière a un nom. Alors, les amis, quel est ce merveilleux nom dont nous venons d'entendre parler? C'est Jésus. C'est Jésus. Ben, c'est Jésus. Eh oui, c'est Jésus. Ce nom si merveilleux, c'est Jésus. Alors, on va donner une définition de briller. Briller, ça veut dire éclairer, étinceler, faire disparaître l'obscurité. Waouh. Merci Seigneur, parce que grâce à toi, grâce à ta lumière que nous avons reçue, nous brillons dans le monde. Amen. Donc, dans nos maisons, à l'école, partout. Voilà, c'est ça briller. Amen, amen. Ok, on y va pour la suite? C'est parti. Les amis, je vous donne rendez-vous à la cuisine. Allez, venez. On arrive. Hello. Aujourd'hui, direction la Russie avec une recette super bonne qui peut se décliner avec de la viande, comme on va le voir, ou encore avec du fromage, ou encore des légumes. N'est-ce pas, Fabrice? Ouais. Alors, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve tout de suite après. Thank you.
J'espère que vous avez aimé cette recette. Ça a l'air bon en tout cas. Oui, ça a l'air très bon. Pour la circonstance, on a repris exactement la même recette sous forme d'étoiles parce qu'on veut briller sur toute la ligne. Mmh, c'est pas mal, non ? Regardez. Étoiles. Oui. Ça a l'air bon. Hein. Ah oui, et en plus, ça sent bon. Mmh. Ah. Et l'équipe, est-ce qu'on peut remercier Koso qui nous a régalé toute la semaine avec des boissons, avec des desserts, des tiramisu. Vraiment, c'était excellent. Alors, merci, chef. Merci. Bravo, chef. Merci beaucoup, la team. Merci, Myriam. Merci, Astrid. Merci, Fabrice. Merci, Stéphanie. Mais surtout, un grand merci à vous, les G-Kids. J'espère que toutes ces recettes vous plairont. Et surtout, n'hésitez pas à les refaire avec vos parents. Alors, à vos tabliers et bonne dégustation. Et pour nos activités manuelles, on veut également remercier Francis qui nous a donné de super réalisations tout au long de la semaine. Vraiment, merci Francis. Merci à toi. Merci Stéphanie, Myriam, Fabrice et Astrid. Et surtout, merci à vous les G-Kids. Je pense que vous avez apprécié toutes ces activités. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, je vous propose une dernière activité. Et je pense que ça va vous plaire. À bientôt les G-Kids. Oui, c'est sûr qu'ils vont aimer cette activité. On a prévu un tuto masque pour lequel tu pourras laisser cours à ton imagination. On en fera aussi, nous ? Oui. Est-ce que ça vous dit de faire un tuto ? Bah, oui, bien sûr. On y va, on y va. Super. OK, bah, allons-y. On lance le tuto. Encore quelques secondes, attendez. J'ai pas fini moi, juste encore quelques brillants. Alors, oh là là, on va briller. Hein. Ah bah nickel. Oui. Mais moi j'ai plein de paillettes, j'aime trop. Ah, et dis donc, on a des belles réalisations. Regarde. Ah ouais, fais voir. Oh wow, il est là. Tiens, dis donc. Et lui, il fait comme ça. Ah bah dis donc, là, on est tous beaux là, regardez là, regardez-moi là. Bon. Un peu de sérieux, les amis. On est toujours sérieux. Oh. On veut voir aussi les réalisations de nos G-Kids. Alors, je vous invite à nous envoyer une photo de vos masques à l'adresse gkids@egliseicc.com. Yes. On attend vos réalisations. Ah oui, on a hâte de vous voir. C'est ça. Et maintenant,
C'est l'heure du défi. Eh oui, c'est l'heure du défi. C'est l'heure du défi. C'est l'heure du défi. C'est l'heure du défi. Et oui, je ne vous ai pas oublié. Et le défi du jour, c'est toujours sur notre thème « Brille ». Car en tant qu'enfants de Dieu, nous devons briller grâce à la lumière que Dieu nous donne. Et à ce propos, nous vous avons demandé à vous les G-Kids de nous dessiner ou de photographier quelque chose qui brille. Que ce soit la lumière du soleil, des bougies, une étoile, tout ce qui brille. Et là, ça a fusé de partout. On a reçu plein de dessins et on vous laisse juste apprécier les talents de nos G-Kids. Nous avons également lancé un autre défi, c'était toujours sur le thème brille, donc il fallait écrire un poème ou un chant sur ce thème, un texte de votre choix, avec un texte acoustique par exemple. Hein, on en a reçu plusieurs et on va vous en lire un, juste un qui est très très beau. Alors écoutez ceci. Ma petite lumière, je te ferai briller tout le long de ma journée, afin que tu brilles le long de ma vie. Alors c'est pour ça que je te garde tous les jours. Chaque jour tu brilles. Chaque jour je t'aime. Je t'aime parce que Dieu m'a dit de t'aimer. Tu brilles chaque jour comme un ange. Et je t'aime comme un cœur. À chaque fois que tu brilles, je ressens l'amour dans mon cœur et tu brilles comme Jésus. Je m'enfonce dans l'amour quand tu brilles et tu es comme une étoile à mes yeux et tu éclaires le monde. Et ce merveilleux poème nous vient de Jelissa, de Joachim et de Heaven. Un si beau poème et nous en avons tellement apprécié, véritablement. Et c'est pour ça que toutes vos réalisations seront publiées sur les réseaux sociaux. Donc continuez à nous les envoyer à l'adresse gkids@egliseicc.com. Donc vraiment, n'hésitez pas, le défi continue. D'accord ? Toute la semaine, vos réalisations seront publiées sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. N'hésitez surtout pas. Alors, notre défi continue. Et maintenant, nous allons passer plutôt au fact. Ok ? Fact, la parole, G-Kids. La vie spirituelle des G-Kids, fact numéro 11. La lecture de la Bible est une activité importante pour les G-Kids. Lorsqu'ils n'arrivent pas à la lire tous les jours, ils essayent de la lire au minimum une fois par semaine. Et là, je vous encourage à continuer comme ça, parce que c'est à force de persévérance qu'on y arrive. Et sur 10 G-Kids, 7 ont déjà fait la prière du salut par la grâce de Dieu. Donc, reste à la fin si toi aussi tu souhaites et tu auras l'occasion de le faire. Et oui, on est arrivé à la fin de notre rubrique « Les défis du jour ». Et sachez que Fab Les Défis a pris un énorme, mais un grand plaisir à s'amuser avec vous. Et c'est pourquoi je vous dis à très très bientôt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Sur ce, à bientôt les G-Kids. On reste sages et on reste amoureux de Jésus. Je suis contente de vous retrouver pour de nouveaux jeux. Et oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Mais bon, je reste quand même très enthousiaste parce que j'ai passé de très bons moments avec vous. Maintenant, nous allons aller à l'ordinateur voir les jeux que nous avons aujourd'hui. Tiens, 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 qu'est-ce que mon ordinateur me propose ? Waouh, je pense que vous serez très heureux d'apprendre ce thème.
Aujourd'hui, nous allons faire des jeux sur le thème brille. Eh oui, brille aujourd'hui. Alors, nous commençons avec le premier jeu. Donc, tu vas regarder cette image et trouver qu'est-ce qui brille sur cette image. Tu as vraiment juste quelques secondes. Hein. Concentre-toi très bien et trouve qu'est-ce qui brille sur cette image. Tu as trouvé ? Allez, super, je savais que tu n'allais pas mettre trop de temps. C'est parti, maintenant, je vais te donner un autre challenge par rapport à cette image. Tu vas maintenant trouver les 7 différences qui se trouvent sur cette image. Il faut rester bien concentré, regarder tous les éléments que tu vois sur l'image et les comparer entre les deux photos. Tu as du temps, reste concentré, regarde très bien. Moi aussi, je regarde en même temps. Vous avez trouvé? Allez, c'est parti pour la réponse. Alors, je vois qu'il manquait des taches sur le cou de la girafe à côté du lion. Et oui, aussi, il y a la queue du singe qui a disparu. On continue et on remarque qu'au niveau des vagues, le bleu est inversé. Vous aviez remarqué les Jikits ? Ensuite, au niveau de la quatrième différence, le ventre du crocodile a changé de couleur. Et oui, ensuite, on voit que la taupe a des dents. Elle a un beau sourire. Vous l'avez vu les Jikits ? Nous passons maintenant à la cinquième différence. Les deux brebis ont des positions différentes. Bah ça, moi, je l'avais remarqué. J'espère que vous aussi. Et pour la dernière différence, les yeux du caméléon. Eh oui, ils sont fermés sur une photo et pas sur l'autre. Bravo en tout cas les Jikits et merci d'avoir participé. Nous continuons avec le deuxième défi. Toujours sur le thème brille, bien sûr. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons briller. Sur les différentes photos qui s'affichent sur ton image, tu vas devoir trouver les différents éléments qui te font penser à la lumière. Donc qui te font penser finalement au mot « brille ». Mais attention les Jikits, les éléments, bah ça peut être par exemple une brille, une Bible. Et oui, une Bible, ça brille parce que ça nous apporte la lumière. La parole de Dieu, c'est la lumière. Mais ça peut aussi être le soleil par exemple. Donc, je te laisse le temps de regarder les images et de trouver tout ce que tu vois qui te fait penser au mot « brille ». Tu as un peu de temps, reste bien concentré et regarde tout ça. Tu as encore un peu de temps. Moi aussi, je cherche avec toi, hein, Jikits. Ok, allez, maintenant, on va regarder les réponses. Oui, bah oui, il y avait le soleil et la Bible, comme je vous l'avais dit. J'espère que vous l'avez trouvé, hein. Allez les Jikits, restez bien concentrés et c'est parti pour notre cinquième jeu. Nous commençons avec la grille, à l'intérieur de laquelle il va falloir trouver des mots. Allez, je vous cite les mots, comme ça il sera plus facile pour vous de les trouver. Alors, nous avons le mot paix, le mot joie, le mot amour, le mot bonté et pour terminer le mot lumière. Waouh ! Vous avez du temps, réfléchissez bien, regardez très bien pour trouver les bonnes réponses. Vous avez trouvé ? Bon, allez, je vous laisse encore un peu de temps. Allez, allez, très très bien. Maintenant, on va afficher les réponses. Waouh ! Ah oui, moi j'avais trouvé le mot paix. J'espère que vous avez tout trouvé les Jikits. En tout cas, moi je vous dis félicitations. Et encore, j'ai passé un excellent moment avec vous durant cette semaine. Alors maintenant, je vous dis à très vite les Jikits.
Alors les amis, avant de nous quitter en musique, je vous propose de découvrir enfin l'image mystère. Il restait presque plus de briques et maintenant tout est dévoilé. Tous ceux qui ont participé. Et félicitations aux vainqueurs qui nous ont envoyé la réponse par mail. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette belle image parce qu'elle illustre quelque chose qui est très magnifique. Vous avez vu, le regroupement des personnes forme une croix. C'est ça. C'est le symbole de la victoire de Jésus-Christ sur le péché, la mort et le diable. Et sur cette image, on voit plein de personnes en fait qui sont en train de venir rejoindre la famille de Christ. Amen. Voilà, c'est vraiment notre prière qu'un maximum de personnes viennent à Dieu, acceptent le Seigneur Jésus en faisant cette prière du salut. Voilà, donc ça va être l'occasion pour nous et toi, J-Kids, qui n'a peut-être pas encore fait cette démarche, de pouvoir faire cette prière avec nous. On y va ? Vous allez prier avec moi, d'accord, et avec les enfants qui souhaitent faire cette prière. Ok, allons-y. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce que tu as donné ta vie. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte. Je t'accepte comme Seigneur. Comme Seigneur et Sauveur. Et Sauveur de ma vie. De ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie et change-la. Et change-la par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je t'appartiens. Et je t'appartiens. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie commence pour moi. Commence pour moi par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, par cette simple prière, vous êtes entré dans la famille de Dieu. Maintenant, il suffit de croire, continuer à croire, obéir à la parole de Dieu et de marcher dans l'obéissance. Amen. Yes. Amen. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur ces mots. En tout cas, on a passé une excellente semaine. Bah oui. C'était top, Astrid, Fabrice, Steph. C'était magnifique. On a vécu des moments formidables, des bonnes recettes, des super défis. Mm-hmm. Astrid nous a régalé avec ses jeux. Moi, j'aime toujours les contes, donc on s'est régalé avec les contes. Ok. Alors, un petit mot de la fin pour chacun d'entre nous, pour les J-Kids. Allez, Astrid, on commence par toi. Alors, les J-Kids, j'ai été très contente de passer un excellent moment avec vous. Je vous encourage à toujours persévérer dans l'amour du Seigneur, à rester attaché à lui et bien sûr à vivre selon sa parole. Amen. Amen. Super. Fabrice ? Alors, les J-Kids, Fable et Défi vous dit, vous êtes merveilleux, vous êtes formidables. Et sachez que vous êtes les amis, les enfants, mais non seulement aussi les amis de Jésus. Il est toujours avec vous et avec lui, vous ferez de grandes choses. Amen. Amen. Alors, les J-Kids, sachez que j'ai passé de merveilleux moments avec vous. Et n'oubliez pas de briller, parce que oui, notre thème toute cette semaine, c'était vraiment de briller. Yes. Alors, brillez les J-Kids. Amen. Brillons avec la lumière de Jésus. Yes. Allez les J-Kids, passez des bonnes vacances et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà pourquoi ce matin nous voulons dire que tu as transformé l'eau en vin. Guéris la peur par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Comme toi. Tu transformes l'eau en vin. Guéris la peur par ta main. Guéris la peur.
nom de Jésus, celui qui guérit, celui qui bénit, qui restaure, qui sera, qui sera, qui sera contre nous, qui sera contre nous, qui sera, qui sera contre nous. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Je dis Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, Dieu incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Je dis Dieu admirable, inébranlable, Dieu redoutable, Dieu. Je dis Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Méga Impact Conférence 2021, nos enfants ne sont pas en reste. Découvrez la programmation spéciale pour les G-Kids tous les jours du mardi 6 au samedi 10 juillet de 9h45 à 18h30. À 9h45, c'est l'heure de la prière des G-Kids. À 10h, c'est l'émission Bonjour les G-Kids, avec des contes, des défis, des jeux ludiques et du karaoké. À 11h, Dean donne rendez-vous à tous les enfants qui veulent découvrir le secret pour briller. C'est l'heure de Autour d'un canapé à 11h15. Veux-tu apprendre de nouvelles choses? Eh bien, ne manque pas Monsieur Je sais tout, on veut savoir à 14h. À 14h15, c'est l'heure de louer et de danser pour le Seigneur dans l'émission Louons Dieu. À 14h30, viens tester tes talents de danseur et de chanteur dans l'émission En Piste. À 14h45, c'est l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Parce que la musique a été créée par Dieu et qu'elle doit servir à le louer et à l'adorer, rejoins-nous à 15h pour un épisode de l'émission En avant la musique. À 14h45, c'est l'heure du grand quiz des G-Kids. Viens tester tes connaissances avec nous. Tu as manqué l'émission de Monsieur Je sais tout ce midi ? C'est le moment de te rattraper. Branche-toi à 17h30 pour la rediffusion de l'émission Monsieur Je sais tout, on veut savoir. À 17h45, c'est à nouveau l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Et pour finir cette belle journée, nous te proposons un conte à compter de 18h. Connecte-toi à la chaîne YouTube ICCTV pour apprendre plein de nouvelles choses pour briller et aussi
partage toutes les émissions à tous tes amis pour que eux aussi apprennent comment briller réellement. Le Seigneur, ça signifie l'adorer, l'aimer, le reconnaître comme le roi. Et un des signes d'honneur pour honorer Dieu, ça va être de lever les mains vers le ciel et de lui parler en lui disant merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour l'amour que tu nous as donné. Merci parce que tu es dans nos vies, pour ta présence. C'est l'histoire de la princesse Akuba. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Akuba. Celle-ci vivait dans un endroit très particulier. Non, le hasard n'existe pas. Dieu voit tout, il sait tout et il est capable de tout. Il a vraiment envoyé princesse Chimène auprès de Akuba afin qu'elle puisse recevoir la vie de Dieu. Gardons les noyaux et plantons-les dans nos maisons. Folliton, le plus petit écureuil, ne veut rien comprendre. Au Nutella banane. Ah, un dessert alors. Oui, c'est un super dessert et je pense que vous allez aimer. J'espère que c'est un dessert. T'as trouvé je juste. Je vous propose une super salade fraîcheur. Et nos réalisations. Waouh. C'est pas mal, hein? Ah, bravo. Qu'est-ce que c'est, joli. Ça? Alors, ici... C'est le challenge danse. C'est quel problème qui le fait reculer? Papa est là, je veux pas l'écouter. Doucement. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Moi c'est Dean. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Dean comme dynamite. Facile à retenir, n'est-ce pas? Il y a quelques mois en arrière, nous avons vu qu'être un super-héros était plus que ce qu'on pouvait imaginer. Nous avons vu être fort, invincible et inébranlable grâce à toutes les armes de Dieu. Moi, j'ai à peine 10 ans. Et avec tout ce que le monde a traversé ces derniers mois, la peur, la tristesse, l'enfermement, la solitude, j'aimerais savoir comment changer le monde, comment le rendre meilleur, comment parvenir à vivre heureux tout simplement malgré les catastrophes. Des fois, tu sais, ça m'arrive de rêver. Je suis sûre que toi aussi d'ailleurs. Moi, je rêve d'être une star. Je rêve que je brille, 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 brille tellement. Je me vois briller comme une étoile qui fascine et est lumineuse dans la nuit. Je me vois briller comme un joyau ou un métal précieux que tout le monde désirait. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Légikids, on veut vous entendre chanter aussi. Sanctifier, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit.
sois sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh là 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 là, t'as vu? C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup, c'est ma partie préférée. Je comprends. Bon, Légikid, je vais vous poser une question. Suite à ma partie préférée. Donc, dans la Bible, qui a donné le modèle de prière du Notre Père? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Abraham? Ou bien est-ce que c'est Jean? Je crois que c'est simple. Ah bon? je crois que c'est simple. Bon, ben, je vais vous donner la réponse alors. Alors, la musique mondaine, c'est toute musique qui a été inspirée, écrite et chantée par des artistes non chrétiens et des musiques qui ne glorifient pas Dieu. En fait, si c'est pas de Dieu, ça glorifie pas Dieu. Et tu t'éloignes de Dieu, en fait. Donc du coup, ça, le diable, il a fait une dérive de la musique. Quand t'es triste et que t'écoutes une musique triste et que t'as envie de que la musique dit de te suicider, de je sais pas quoi, t'auras ces pensées-là et en fait, après, tu vas t'éloigner encore plus de Dieu et au lieu de te sortir du mood, tu vas encore plus t'enfoncer. C'est qui est Matthieu 15:8 qui dit « Ce peuple m'honore de vivre, mais son cœur est éloigné de moi, sans vous condamner, bien sûr. » En fait, le fait d'écouter des musiques du monde, bah, en fait, votre cœur, en fait, il va être plus éloigné de Dieu. Alors que quand vous allez écouter des musiques chrétiennes, et bah, justement, là, votre cœur, il va vraiment être rapproché de Dieu, en fait, et créer une vraie relation. Tu peux leur faire écouter. Il y a du rap, il y a du R&B, il y a plein, il y a du classique. Tu peux leur faire écouter. Ils vont s'intéresser à Dieu. Ils peuvent même te poser des questions et tu auras gagné une... Salut les Légikids! Le saviez-vous? Depuis plusieurs mois, les Légikids sont présents sur les réseaux sociaux. Et oui, il te suffit de taper légikids.impactjunior sur Instagram ou Facebook. Ainsi, tu pourras retrouver plusieurs rubriques préparées rien que pour toi. Par exemple, le Réma Légikids Challenge. Tu pourras aussi retrouver la boîte à prière, les délices des Légikids et la playlist des Légikids. Tu découvriras plusieurs musiques chrétiennes. Il y a aussi les Légikids font le tour du monde, à travers laquelle tu découvriras plusieurs pays. Alors nous te disons à bientôt, chers Légikids. Une graine extraordinaire de Myriam Didikoukou. Un jour, alors qu'il se promène, un petit garçon aperçoit au loin devant lui une graine qui marche à grands pas. Le petit garçon, surpris par cette rencontre, se met à courir à sa rencontre et l'appelle d'une voix forte. « Ohé ! Ohé ! Petite graine ! Ohé ! Ohé ! Tu m'entends ? Où vas-tu de si bon matin ? Pourquoi es-tu si pressé ?» La graine, ravie de croiser quelqu'un sur son chemin, lui répond d'un ton joyeux. « Je suis à la recherche d'un endroit pour être plantée. »« Petite graine, s'il te plaît, est-ce que je peux t'aider ?» demande le petit garçon. « Je m'ennuie tellement aujourd'hui, je me sens si triste, sans même savoir pourquoi. » Puis, avec un regard sincère, il dit à la graine. Ensemble, j'en suis sûre, nous allons trouver un bel endroit, rien que pour toi. Connais-tu bien les environs ? Lui demande la jolie petite graine. Mais oui, parfaitement ! Répond-il avec enthousiasme. Regarde ici, petite graine, juste devant toi, le long de ce beau chemin. Je pense que cet endroit fera ton bonheur, petite graine. Mais tu n'y penses pas ? S'exclame la graine.
le long d'un chemin, les dangers sont bien trop grands. Et si quelqu'un me marchait dessus? Et les oiseaux? As-tu pensé aux oiseaux? Ils mangent des graines comme moi. Au goûter, ils ne feraient de moi qu'une bouchée. Non, 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 ce n'est pas un bon endroit pour moi. Après quelques instants de réflexion, le petit garçon comprend son erreur. Tu as raison, petite graine. Je pense que l'on peut trouver bien mieux pour toi. Un endroit tranquille où tu seras en sécurité. Continuons notre marche, petite graine. Au fait, pourquoi m'appelles-tu petite graine? Je ne suis pas si petite que ça. J'ai à l'intérieur de moi un pouvoir extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de... Sans lui laisser finir sa phrase, le petit garçon s'écrie. Voilà ce que je cherchais. J'ai trouvé. J'ai trouvé un endroit sûr pour toi, un endroit hautement sécurisé, là, juste devant toi. Un endroit sûr? Où ça? Je ne vois pas. Je vois qu'un tas de cailloux. Oui, oui, c'est bien là. Tu sais, un tas de cailloux, c'est un endroit sûr et à l'abri de tous les dangers, petite graine. Mais dans un tas de cailloux, comment penses-tu que je grandirai? Mes racines ne pourraient pas puiser assez d'eau. Les rayons du soleil finiraient par m'assécher complètement. Ah, oh, tu as raison, petite graine. Continuons à chercher. Nous finirons par trouver un endroit sûr, sécurisé et à l'ombre. En avant, marche, petite graine. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas une petite graine, mais je suis une graine extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de faire le bien à condition que... Faire le bien! Ça, c'est extra petite graine. Ah, pardon. Je voulais plutôt dire extra graine. Regarde un peu devant toi. Ça y est, nous l'avons trouvé. Cet endroit fabuleux pour toi. Dans ce joli tas de ronces, ça pique peut-être un peu. Mais au moins, il n'y a pas d'oiseaux, pas de cailloux, pas de brûlure du soleil. C'est parfait. C'est bien cela qu'il te faut. Que me proposes-tu là? Une terre remplie d'épines. En poussant, elles vont m'étouffer. Écoute-moi cette fois-ci. Je ne cherche pas un endroit sécurisé, ni un abri, ni de l'ombre. Je cherche à faire le bonheur de celui qui veut bien m'accueillir. Lui, j'ai le pouvoir de répandre le bonheur à condition que l'on me plante dans une bonne terre. Ce que tu me dis m'intéresse, petite... extra graine. Explique-moi comment toi, tu peux faire le bien. Quand tu me regardes, que vois-tu? Une graine, n'est-ce pas? Mais en vérité, je suis bien plus qu'une graine extraordinaire. En me plantant dans une bonne terre, je vais grandir et devenir une plante robuste qui donnera beaucoup de fruits. Oui, comme toutes les graines, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Ce qui est extraordinaire, ce sont les types de fruits que je peux produire. Je cherche un endroit auquel je puisse donner le meilleur des fruits, comme par exemple la bonté, le partage, l'amitié, la paix, la joie. La joie? Mais graine magnifique! Il fallait me le dire plus tôt. Je t'aurais invité sans hésiter à venir chez moi. Ma jolie graine, ne cherche plus, car la bonne terre qui a besoin de toi, eh ben, c'est moi. Pour toi, mon ami, oui, je serai une graine de joie, car tu en as besoin. En m'accueillant dans ton cœur, je te donnerai une immense montagne de joie. Tu auras de la joie dans le cœur et de la joie sur tes lèvres. Tu auras de la joie le matin, dès le réveil jusqu'au coucher du soir. Tu auras de la joie pour acclamer, pour danser et même chanter. Tu auras tellement de joie qu'il te faudra la distribuer, la partager et la transmettre à d'autres. Et toi qui nous lis, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Si tu es une bonne terre, je te donnerai ce dont tu as besoin. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons utiliser des images pour mieux la comprendre. La Bible est une nourriture. Tu en as besoin pour grandir. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. La Bible est un miroir. Grâce à elle,
tu peux te voir comme Dieu te voit et aussi lui ressembler. 2 Corinthiens 3, verset 18. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. La Bible est une semence que Dieu veut planter dans ton cœur afin de porter du bon fruit. Luc 8, verset 11. La semence, c'est la parole de Dieu. La Bible est une lumière qui éclaire et montre le chemin que tu dois suivre. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible est un médicament capable de guérir toute blessure, toute maladie, toute douleur. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. La Bible est une épée, une arme redoutable pour stopper tout ce qui vient pour te détruire. Éphésiens 6, verset 17. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La Bible est un feu et un marteau qui vient brûler et casser ce qui n'est pas bon à l'intérieur de toi. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La Bible est une richesse et il ne faut pas s'en priver. Alors lis-la chaque jour si tu veux grandir, avoir du succès et connaître Dieu vraiment. Thank you.
Hello G-Kids, je te propose de participer à deux challenges vidéo. Le premier, filme-toi en train de regarder ton programme préféré qui a eu lieu durant cette conférence. Tu peux par exemple demander à tes parents de t'aider en te filmant. Et pour le deuxième challenge, fais-nous une vidéo en nous donnant ton nom et ton programme préféré et ce que tu as le plus aimé. Envoie-nous ces deux vidéos à l'adresse jkids@eglisicc.com et tout ça avant dimanche 12h. On compte sur toi, jkids. Bye bye. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Bienvenue sur cette nouvelle émission Autour d'un canapé. Alors, Autour d'un canapé, c'est une émission qui a été faite, présentée et pour des ados. Alors, si tu es un ado, cette émission est faite pour toi. Alors, dans cette émission, nous allons aborder plusieurs sujets. Il y aura des débats et il y aura aussi des pour ou contre. Et nous allons aussi détailler notre vie chrétienne en tant qu'ado qui influence autour de nous. Alors, je suis Georgina et je vais vous présenter mes invités. Il y a Bérénice. Salut. Il y a Zachary. Salut. Il y a Jean-Marc. Salut. Et Chaïmis. Salut. Avant de commencer le débat, nous vous avons préparé une vidéo reportage qui va vous parler de la musique, son histoire et son origine. Puis nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est « Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique mondaine, oui ou non ?» Coucou tout le monde, c'est Claire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la musique. Aujourd'hui, la musique, nous l'entendons quasiment partout. Que ce soit dans les magasins, les centres commerciaux, les restaurants, chez nous, dans nos voitures, parfois même dans les ascenseurs. Franchement, je pense que vous l'avez compris, nous sommes entourés de la musique. Tu t'es peut-être déjà posé la question, mais d'où vient la musique ? Retournons donc à la source. La musique vient de celui qui a créé toute chose. Elle vient de Dieu. Tout ce que Dieu a été créé pour un but. Et le but initial de la musique est d'instaurer une atmosphère de louange et d'adoration autour de son trône. La musique a donc été créée par Dieu dans le but de le louer et de l'adorer. Lisons ensemble ce passage dans Ézéchiel, au chapitre 28, versets 13 à 17. La parole de Dieu nous dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Dans ce passage, nous avons donc vu l'histoire de Lucifer. Lucifer était un ange de lumière qui avait parmi tous les anges qui devait louer, adorer Dieu. Il avait vraiment ce titre d'un ange qui loue, adore. Mais un jour, son cœur a été totalement corrompu. L'orgueil est monté dans son cœur. L'orgueil est vraiment monté au point où vraiment il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu détrôner Dieu et prendre sa place. Dieu étant le chef de tout, a donc décidé de l'envoyer sur la terre, de le chasser du royaume des cieux. Lui et tous les anges aussi, certains anges qui avaient suivi le diable, qui avaient suivi Lucifer et qui avaient été corrompus. Donc Lucifer est donc devenu Satan. Et étant descendu du royaume des cieux avec tous les codes de la musique, il en a profité pour pervertir le but initial de la musique avec des plaisirs humains, avec des paroles vraiment bizarres. Mais si on retourne au but initial de la musique, étant d'instaurer une atmosphère de louange et d'adoration pour Dieu, Dieu nous demande donc de lui instaurer cette adoration. Dieu nous demande de le louer. Dieu nous demande de l'adorer. Il demande à son peuple de l'adorer. Quand Dieu dit son peuple, c'est pas que les parents. Quand Dieu dit son peuple, c'est les enfants, les ados, les grands-parents, les oncles, les tantes, c'est tout son peuple. Dieu demande à tout son peuple. Et d'ailleurs, en parlant de ça, les anges, eux, qui sont restés affermis, qui sont restés attachés à Dieu, en ce moment, auprès du Père, sont en train de le louer de manière continuelle. Ils sont tout le temps en train de le louer et l'adorer. C'est pour ça que l'on dit qu'il y a vraiment cette atmosphère de louange au ciel. Dieu nous demande tous, dans Ésaïe 43, verset 21, il nous dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Publier ses louanges, c'est quoi? Publier les louanges de Dieu, c'est proclamer tout ce qu'il fait, c'est proclamer ce qu'il est, proclamer sa grandeur, sa majesté, que ce soit avec nos voix, que ce soit avec des instruments, que ce soit avec nos mains, sans instruments. Dieu nous demande de publier ses louanges. Tout ça, il faut que ça vienne bien sûr du cœur. Donc Dieu nous demande ainsi de le louer. Et le psalmiste David aussi nous le demande souvent dans plusieurs psaumes, tels que le psaume 150 que nous allons lire, qui dit « Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. » Waouh, si c'est pas magnifique ça, Dieu nous demande vraiment de le louer. Et c'est pour ça que nous voyons que quand même, la musique est quand même beaucoup attachée à l'homme. La musique est quand même beaucoup liée. C'est pour ça que l'on voit par exemple, dans chacun a des manières de louer Dieu. Que ce soit par rapport au goût, par rapport au choix, par rapport aux cultures. La musique est vraiment louée au point où toutes les cultures ont la musique de leur manière. Donc franchement,
Là, nous avons vraiment éclairci l'histoire de la musique. Nous comprenons beaucoup mieux l'histoire de la musique, d'où ça vient. Et il ne faut surtout pas oublier que la musique est pour un but divin, normalement. La musique a pour but initial d'instaurer une atmosphère de louange et d'adoration. Et Dieu nous demande, nous tous, de le faire. Il appelle son peuple, donc nous, à le faire. Donc voilà, j'espère que nous avons tous compris l'histoire de la musique. Donc on se retrouve pour une prochaine capsule et on se dit au revoir et que Dieu vous bénisse. Waouh! Grâce à cette vidéo, j'en sais plus sur la musique. Autour d'un canapé, les invités sont tous chrétiens et nés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La plupart d'entre nous écoutent de la musique chrétienne et l'autre partie écoute de la musique mondaine. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'est-ce que c'était que la musique mondaine. Alors la musique mondaine, c'est toute musique qui a été inspirée, écrite et chantée par des artistes non chrétiens et des musiques qui ne glorifient pas Dieu. Première question, écoutez-vous de la musique chrétienne, de la musique mondaine ou les deux ? Alors, pour ma part, je pense qu'en fait, on peut écouter les deux. À partir du moment, en fait, où tout simplement, on fait attention aux paroles, qu'elles soient grossières ou tout simplement bonnes, en fait. Mais il faut juste que je pense que si les paroles sont bonnes et qu'elles sont pas grossières, je peux me permettre d'écouter. Mais si elles sont grossières, j'écouterai pas. Mais après, je vois pas l'intérêt, en fait, de pas écouter la musique mondaine à partir du moment où ça influence pas, en fait. Ok. Qu'en penses-tu, Bérénice ? Moi, je pense que non. Comme on l'a vu dans le reportage de la musique, le fait que ce soit pas inspiré par Dieu et que ça le glorifie pas, donc moi, je pense que non. Ok. Pensez-vous qu'une musique mondaine puisse glorifier Dieu ? Pas forcément. Je pense que, comme Jean-Marc, je peux écouter une musique qui est chrétienne et non chrétienne, ce qui me permet que, en fait, quand je vais à un anniversaire ou à une fête, je peux m'ambiancer avec mes potes et pouvoir parler des nouveaux sons qui vont sortir, etc. Non, moi je suis pas d'accord parce qu'en fait si c'est pas de Dieu, ça glorifie pas Dieu. Et tu t'éloignes de Dieu en fait. Donc du coup, ça, le diable il a fait une dérive de la musique. Comme par exemple, si t'écoutes une musique quand t'es triste et que t'écoutes une musique triste et que t'as envie que la musique dit de te suicider, de je sais pas quoi, t'auras ces pensées-là et en fait après tu vas t'éloigner encore plus de Dieu et au lieu de sortir du mood, tu vas encore plus t'enfoncer en fait. Pas forcément. Déjà, j'ai déjà écouté des musiques où ça parlait de sexe, etc. Et aujourd'hui, je suis devant toi. Et en plus, je pense pas que le diable est forcément dans une musique, puisque je suis pas là en train de chanter le diable. Mais au contraire, je chante la musique plutôt dans un mood calme et dans un mood apaisant, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est juste en fait quelque chose en fait qui permet tout simplement en fait de pouvoir en fait se relaxer et en fait de pouvoir en fait tout simplement en fait être calme. Parce que il y a tout type de musique en fait. Il y a des musiques calmes, il y a des musiques douces, il y a des musiques aussi qui agitent. Mais en fait, c'est juste des musiques qui permettent de. Quand tu sais qu'il y a une musique qui va t'énerver, c'est là en fait que tu peux montrer que tu peux maîtriser tes émotions, etc. Donc c'est pour ça que je permets d'écouter de la musique mondaine, tu vois. En fait, ce que vous me dites me fait penser à un verset qui est Matthieu 15:8, qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi », sans vous condamner, bien sûr. En fait, le fait d'écouter des musiques du monde, votre cœur, en fait, il va être plus éloigné de Dieu, alors que quand vous allez écouter des musiques chrétiennes, et ben justement, là, votre cœur, il va vraiment être rapproché de Dieu, en fait, et créer une vraie relation. Et pourtant, je fais des actes, et on est dans les autres et tout, et je trouve que je suis une meuf bien. En fait, c'est vraiment une histoire de cœur à cœur avec Dieu. C'est pas question d'actes ou de bons actes ou de mauvais actes, en fait. Sache que dans tout ce que tu vas faire, peu importe que ce soit des bons actes ou des mauvais actes, sache que Dieu, en fait, il va regarder l'état de ton cœur. Oui, c'est ça, en fait. Il regarde au cœur, mais pas à l'acte. En fait, il regarde à l'acte, au cœur, pardon. Et si, par exemple, tu fais un acte, mais à contre-cœur, même quand tu vas faire tes prières, Dieu, il va pas écouter tes prières. Ça sera pas agréable à Dieu. Donc vous pensez qu'une musique, elle peut vous rapprocher de Dieu ou vous éloigner de Dieu ? C'est ça. Oui, exactement, car dans la musique, il y a deux sources d'inspiration, soit Dieu ou soit le diable. Et en fait, faut te dire que quand tu vas écouter cette musique-là, quel sentiment tu vas ressentir ? Et en fait, ça me fait aussi penser à un autre verset qui est Galates 5:22, car les fruits de l'esprit sont la paix, la joie, l'amour, la patience, etc. Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, quand tu sens que ce que tu ressens dans cette musique-là, c'est de la tristesse, c'est de la colère, sache en fait que ça vient pas d'une bonne inspiration. Alors que quand justement tu vas écouter de la musique et que tu vas avoir de la joie et de la patience, etc. Et ben là, dis-toi que là, c'est vraiment une bonne inspiration. Pourtant, moi, j'écoute la musique du monde et je me sens inspirée pour faire mes devoirs et ça me met dans un bon mood.
Ouais, en fait, c'est ça, ça inspire. La musique du monde peut inspirer par plusieurs manières, parce qu'elle te permet soit en fait de comment dire, elle te permet en fait d'être bien, ou soit en fait de pouvoir être dans une situation adéquate pour travailler, comme Chaimis vient de le dire. Mais pour moi, pour ma part, en fait, ça me permet tout simplement en fait de pouvoir tout simplement être cool, être dans un bon mood, sans pouvoir en fait sans forcer, sans en fait dans une mauvaise émotion. C'est pour ça en fait que je dis que je peux contrôler mes émotions en fonction des musiques. En fait, le truc, c'est que même si tu le ressens pas immédiatement tout de suite, c'est que tu t'influences en fait. Ça veut dire que ça rentre en toi. Même si tu remarques pas tout de suite, ça rentre vraiment en toi. Et le truc, par exemple, tu écoutes des musiques qui te mettent en colère, qui insultent. Il y a quelqu'un qui va te mettre en colère, toi aussi tu vas commencer à insulter, à frapper, à faire des trucs que toi-même tu faisais pas avant. C'est ça en fait, ça rentre en toi petit à petit. C'est ça en fait, quand tu vas te mettre à écouter de la musique que, comme il a dit, qui va insulter ou te pousser à commettre de la violence, et ben en fait tu vas pas forcément te rendre compte, mais en fait au fur et à mesure tu vas commencer à agir comme ces musiques-là agissent dans leurs clips, et du coup bah c'est là où tu vas commencer où leurs sentiments vont être transférés chez toi et tu vas commencer à représenter ça, alors que bah avant tu représentais pas ça. Ouais, c'est comme aussi quand t'écoutes une musique qui dit on vise le minimum, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tes notes, elles vont chuter et tu vas pas comprendre. Ouais. Merci pour vos réactions. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'une musique peut t'influencer en bien ou en mal. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, mais si on n'écoute que des musiques chrétiennes, eh ben, on va se sentir un peu perdu et isolé parce que les gens ils vont commencer à parler d'un son qui va sortir, par exemple. Et en fait, si on n'écoute que de la musique chrétienne, bah, on va se sentir un peu perdu dans le sens où bah, les gens qui écoutent de la musique du monde, et bah, ils vont venir en te disant « Ouais, il y a telle personne qui a fait un clip, son son il est hyper bien, nanana et tout. » Et toi, tu seras bah, perdu en fait parce que tu ne connais pas le son et tu n'écoutes pas des musiques de ce style-là. Et, ou soit on va venir te voir en te disant « Ouais, tu n'écoutes que des musiques chrétiennes et tout, tu ne connais pas, tu n'es pas à l'actu, alors que bah, ce n'est pas ça le but. » Ouais, je suis d'accord avec elle. En fait, le truc, c'est pas, on dit pas que vous pouvez pas passer du temps avec vos amis comme il y a des fêtes, il peut y avoir des musiques comme ça, vous pouvez rigoler avec eux, mais en fait, il faut juste pas que vos amis ils vous influencent avec la musique, tu vois. Il faut que ce soit vous qui influencez, parce qu'on a la connaissance de la Bible, tu vois, on a la connaissance de la parole, et peut-être qu'ils ont l'habitude d'entendre les louanges comme on a à l'église, genre Alléluia, des trucs comme ça, tu vois. Et. Tu peux leur faire écouter, il y a du rap, il y a du R&B, il y a plein, il y a du classique, tu peux leur faire écouter. Ils vont s'intéresser à Dieu, ils peuvent même te poser des questions et tu auras gagné une âme. Bah oui, c'est ça en fait. En fait, tes amis, ils ont juste besoin que tu puisses leur partager ce que tu vis avec Dieu. Parce que des fois, on peut se dire, non mais c'est, je vais pas leur en parler parce que peut-être que si, peut-être que ça. Alors qu'on peut avoir une très très bonne surprise. Ça se trouve que, et aussi, ils vont rentrer dans ce petit truc avec toi. Vous allez pouvoir organiser des petites sessions de prière, etc. Alors que, voilà quoi. En fait, nos amis, en fait, ils ont juste besoin que nous puissions partager la bonne parole avec eux. Et en fait, je comprends pas pourquoi changer juste pour eux, tu vois. Et voilà quoi. En fait, notre mission là, c'est vraiment de partager de bonnes choses, de recevoir des bonnes choses afin de transmettre de bonnes choses. Waouh, vraiment ce que tu nous as dit, c'était vraiment trop trop bien. C'était archi vraiment trop bien. Franchement, ça m'a même touchée quoi. Et surtout, merci d'être venue sur le plateau, Bérénice. Franchement, merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci aussi à toi, Zachary, d'être venu sur le plateau, d'avoir participé à ce débat. Avec plaisir. Okay. Merci aussi à toi, Jean-Marc, d'avoir participé à ce débat. Franchement, c'était du plaisir. C'était normal. Merci aussi à toi, Chaimis, d'avoir participé à ce débat. De rien. Okay. Donc, pour résumer, si je comprends bien, la musique chrétienne va nous pousser à glorifier Dieu, à nous prosterner devant lui, à l'adorer, avoir envie de le connaître et surtout à nous repentir. Alors, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de toujours vous poser ces trois questions. Quel impact a la musique sur ma vie et sur ma relation avec Dieu? Quel est cet artiste et de qui vient cette musique? De Dieu ou du monde? Et surtout, ne quittez pas, nous avons une petite surprise pour vous. Nous vous avons réservé une playlist spécialement pour vous. J'espère que cette émission vous a plu. Restez connectés pour de prochains épisodes et on vous dit au revoir. Au revoir. Partagez. Waouh, gloire à Dieu. On peut enfin se réunir entre frères et sœurs.
Mais pour ce temps, il faut d'abord que je prenne un temps pour rendre grâce à Dieu. Alors, Seigneur, Père Tout-Puissant, Père de grâce, je te dis merci. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous. Merci pour cette grâce que tu nous permets d'être ensemble, Seigneur de Père. Je te prie, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends le contrôle. Manifeste-toi à travers nous, Seigneur. Parle à travers de nos bouches, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Sois toute la gloire, toute l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Je viens ici de prier avec foi, avec action de grâce. Amen. 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 Comme j'ai déjà dit, je suis vraiment heureuse de vous revoir. On peut enfin se réunir en GI. Pendant plusieurs semaines, c'était zoom après zoom en fait. Mais là, enfin, les mesures sanitaires sont allégées et on peut se réunir ensemble entre frères et sœurs. Et pour ce temps, j'avais vraiment à cœur que plusieurs personnes puissent poser leurs questions. Les questions qu'ils ont eues quand ils mettaient la parole, quand ils écoutaient un enseignement, quand ils ont fait un temps de prière. Et c'est pour cela que vraiment, je voudrais que tout le monde puisse être à la parole, poser les questions qu'il a à cœur. J'ai une question, mais est-ce qu'un chrétien peut se laver ? Non. En fait, un chrétien, il ne peut pas se laver parce qu'il est déjà purifié, déjà lavé par le sang de Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai une question. Hein? Est-ce qu'un chrétien peut utiliser un GPS ? Non. En fait, un chrétien ne peut pas utiliser des GPS. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Jésus-Christ, la parole nous le dit, il est notre chemin. Il est la vérité et la vie. Mmh. Alors c'est lui réellement que nous devons consulter. Pas de GPS, pas de création de ce monde, mais Seigneur Jésus seul. Du coup, est-ce que je peux encore chercher un job étudiant ? Mais non. En fait, il faut comprendre que dans Psaume 23, il est écrit « Jésus est mon berger. Avec lui, je ne manquerai de rien. » Alors pourquoi chercher un job étudiant alors que tu as déjà Jésus, ton pourvoyeur, celui qui étend sa main sur ta vie ? Moi, j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que comme chrétien, peut-on nager ? Non. En fait, en tant que chrétien, il faut faire comme Moïse. Mm. Oui, ce qu'il a fait, il a séparé les eaux en deux. Il a marché. Et tel Moïse, ce que tu dois faire. Quand tu vas à la piscine, quand tu vas à la plage, quand tu vas à la mer, tu sépares les eaux en deux. Et tu marches. En fait. Mais ma sœur, mm-hmm. Est-ce que je peux prendre l'avion ? Non, en fait, Jésus-Christ est le pilote de ta vie. Alors pourquoi prendre un avion ? C'est lui le pilote de ta vie. Un vrai chrétien, ce qu'il fait. Ce qu'il ne cherche pas les pilotes, il ne cherche pas les avions. C'est Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà, je rends grâce à Dieu. Beaucoup de personnes avaient des questions. On a su y répondre par la grâce de Dieu. Et pour clôturer, en fait, j'aimerais bien qu'on prenne un verset dans la Bible. Tite, chapitre 3, versets 1 à 7. Non, on va raccourcir. Versets 1 à 3. Merci Seigneur, j'ai pu trouver. Alors, rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir et d'être prêt pour toutes œuvres bonnes, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en fait, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Mais nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns et les autres. Amen. Alors, ce verset nous dit vraiment de nous rappeler. D'un jour après jour, en tant que ces ambassadeurs de Christ sur la terre, rappeler aux autres qu'en fait, tout ce que le monde peut faire, être rebelle, ne pas écouter les autorités, nous on doit être autrement, être différemment, représenter Christ sur la terre. Tu vois ce que je veux dire ? Être réellement Jésus-Christ dans ton entourage, là où tu es, on doit voir vraiment Jésus à travers toi. Et que tu dois même être cette personne-là qui pousse les autres à ne pas pécher. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a enseigné à travers sa parole.
à travers ce magnifique verset. Mais pour clôturer ce temps, on va rendre grâce à Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais que Keren nous guide avec un temps. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta glorieuse et majestueuse présence. Seigneur, je prie que toute bouche mensongère puisse être brûlée au nom de Jésus. Je prie que tout Judas qui sont en ce lieu puisse être révélé, parce que je sais qu'il y en a ici en ce lieu. Que ces Judas puissent être brûlés au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé encore en ce lieu et que tu vas faire encore des choses extraordinaires. C'est ainsi que j'ai prié. Amen. 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 Hello G-Kids, je te propose de participer à deux challenges vidéo. Le premier, filme-toi en train de regarder ton programme préféré qui a eu lieu durant cette conférence. Tu peux par exemple demander à tes parents de t'aider en te filmant. Et pour le deuxième challenge, fais-nous une vidéo en nous donnant ton nom et ton programme préféré et ce que tu as le plus aimé. Envoie-nous ces deux vidéos à l'adresse jkids@eglisicc.com et tout ça avant dimanche 12h. On compte sur toi, J-Kids. Bye bye. Méga Impact Conférence 2021, nos enfants ne sont pas en reste. Découvrez la programmation spéciale pour les G-Kids tous les jours du mardi 6 au samedi 10 juillet de 9h45 à 18h30. À 9h45, c'est l'heure de la prière des G-Kids. À 10h, c'est l'émission Bonjour les G-Kids avec des contes, des défis, des jeux ludiques et du karaoké. À 11h, Dean donne rendez-vous à tous les enfants qui veulent découvrir le secret pour briller. C'est l'heure de Autour d'un canapé à 11h15. Veux-tu apprendre de nouvelles choses? Eh bien, ne manque pas Monsieur Je sais tout, on veut savoir à 14h. À 14h15, c'est l'heure de louer et de danser pour le Seigneur dans l'émission Louons Dieu. À 14h30, viens tester tes talents de danseur et de chanteur dans l'émission En Piste. À 14h45, c'est l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Parce que la musique a été créée par Dieu et qu'elle doit servir à le louer et à l'adorer, rejoins-nous à 15h pour un épisode de l'émission En avant la musique. À 14h45, c'est l'heure du grand quiz des G-Kids. Viens tester tes connaissances avec nous. Tu as manqué l'émission de Monsieur Je sais tout ce midi? C'est le moment de te rattraper. Branche-toi à 17h30 pour la rediffusion de l'émission Monsieur Je sais tout, on veut savoir. À 17h45, c'est à nouveau l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Et pour finir cette belle journée, nous te proposons un conte à compter de 18h. Connecte-toi à la chaîne YouTube ICCTV pour apprendre plein de nouvelles choses pour briller et aussi partage toutes les émissions à tous tes amis pour que eux aussi apprennent comment briller réellement. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Bienvenue sur la chaîne Impact Junior TV. Comment s'abonner? Allez sur YouTube et tapez Impact Junior TV. Choisissez la chaîne et abonnez-vous.
nous vous montrons comment faire depuis un ordinateur. Allez dans la barre de recherche et tapez Impact Junior TV. Vous pouvez filtrer et choisir directement la chaîne Impact Junior TV, vidéo et s'abonner. Voici comment faire depuis un smartphone. Dans la barre de recherche, vous tapez Impact Junior TV. Vous accédez à toutes les vidéos et avez la possibilité de filtrer vos recherches. Choisissez votre chaîne Impact Junior TV et abonnez-vous. À bientôt sur Impact Junior TV. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Oui, honorer le Seigneur, ça signifie l'adorer, l'aimer, le reconnaître comme le roi. Et un des signes d'honneur pour honorer Dieu, ça va être de lever les mains vers le ciel et de lui parler en lui disant merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour l'amour que tu nous as donné. Merci parce que tu es dans nos vies, pour ta présence. C'est l'histoire de la princesse Akuba. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Akuba. Celle-ci vivait dans un endroit très particulier. Non, le hasard n'existe pas. Dieu voit tout, il sait tout et il est capable de tout. Il a vraiment envoyé princesse Chimène auprès de Akuba afin qu'elle puisse recevoir la vie de Dieu. Gardons les noyaux et plantons-les dans nos maisons. Folliton, le plus petit écureuil, ne veut rien comprendre. Au Nutella banane. Ah, un dessert alors. Oui, c'est un super dessert et je pense que vous allez aimer. J'espère que c'est un dessert. T'as trouvé juste. Je vous propose une super salade fraîcheur et nos réalisations. Waouh. C'est pas mal, hein? Ah, bravo. Qu'est-ce que c'est, joli. Ça? Alors, ici... C'est le challenge danse. C'est quel problème qui le fait reculer? Papa est là, je veux pas l'écouter. Doucement. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Moi c'est Dean. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Dean comme dynamite. Facile à retenir, n'est-ce pas? Il y a quelques mois en arrière, nous avons vu qu'être un super-héros était plus que ce qu'on pouvait imaginer. Nous avons vu être fort, invincible et inébranlable grâce à toutes les armes de Dieu. Moi, j'ai à peine 10 ans. Et avec tout ce que le monde a traversé ces derniers mois, la peur, la tristesse, l'enfermement, la solitude, j'aimerais savoir comment changer le monde, comment le rendre meilleur, comment parvenir à vivre heureux tout simplement malgré les catastrophes. Des fois, tu sais, ça m'arrive de rêver. Je suis sûre que toi aussi d'ailleurs. Moi, je rêve d'être une star. Je rêve que je brille, 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 brille tellement. Je me vois briller comme une étoile qui fascine et est lumineuse dans la nuit. Je me vois briller comme un joyau ou un métal précieux que tout le monde désire.
sanctifié. Les G-Kids, on veut vous entendre chanter aussi. Sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh là 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 là, t'as vu? C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup, c'est ma partie préférée. Je comprends. Bon, les G-Kids, je vais vous poser une question suite à ma partie préférée. Donc, dans la Bible, qui a donné le modèle de prière du Notre Père? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Abraham? Ou bien est-ce que c'est Jean? Je crois que c'est simple. Ah bon? je crois que c'est simple. Bon, ben, je vais vous donner la réponse alors.